j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ma nouvelle pièce pour un haul Shein unboxing et surtout try on, puisque aujourd'hui je vais vous présenter des vêtements que vous avez choisis sur mon Instagram. Oui, je vous avais demandé de choisir entre certaines pièces parce que j'ai envie de me mettre de plus en plus à porter des robes. Oui, je suis ronde, je suis une fille plus size, je fais exactement un 44 en haut et plutôt un 46-48 en bas parce que j'ai des hanches très larges. Je vais vous montrer juste après, de toute façon vous verrez comme ça ma morphologie et vous pourrez peut-être voir par rapport à vous. Et je vous ai demandé sur Instagram de choisir un petit peu certaines robes parce que j'ai envie de m'y mettre un peu plus. Et quand c'est vous qui choisissez, ça me booste un peu plus. Je me dis bon allez, lance-toi, elle trouve que c'est sympa. Mon mari aussi aime de plus en plus me voir en robe. Je me dis bon allez, zou, on se lance. Donc grâce à vous, je me suis lancée et j'en ai acheté plein, dont celle-ci. Je n'ai pas pu résister. En fait, j'ai reçu un gros colis Shein et j'ai reçu un paquet tout seul. Et c'était cette robe-là. Donc je l'ai ouverte direct parce que je me suis dit mais c'est quoi ce paquet et tout. Je m'attendais pas à l'avoir tout de suite. Elle est arrivée super vite et du coup je les ai déjà lavées, je les ai déjà mises. Donc ça va pas être une découverte avec vous puisque vraiment je l'adore. Elle vaut 15€, je vous mets la photo ici. Et au niveau qualité du tissu, elle est top. Elle a des petites manches comme ça un petit peu resserrées. J'ai agrémenté avec une petite ceinture. Mais je crois dans mon colis logiquement il y en a deux autres ceintures pour un peu varier, parce que je trouve ça trop joli. Je vous montre. Là voici la robe, hop, vous avez vu comme c'est joli, j'aime trop. Avec ma ceinture, donc c'est celle que j'ai. Et elle arrive au niveau des genoux, hein. Elle arrive au niveau des genoux, elle est vraiment pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, cette robe, vous l'avez compris, j'ai été directement conquise. Donc, le reste du colis, je n'ai pas ouvert, j'ai juste ouvert le colis pour voir que c'était mes articles Shein. J'ai donc, avec cette robe, 14 autres articles à vous présenter. Je remercie encore une fois Shein pour ce partenariat. Oui, mon premier. C'est la première fois qu'il me propose de m'envoyer des produits. J'ai pu choisir ce que je voulais et honnêtement j'ai pris des robes grâce à vous hein, sur Insta. Et j'ai pris aussi des petites choses pour agrémenter les robes qui sont dans la tendance et que je n'avais pas dans ma garde-robe. Et honnêtement, avant de regarder sur Shein, j'avais regardé sur plein d'autres sites. C'était déjà premièrement méga cher, je cherchais une veste en jean, vous savez les vestes en jean basiques quoi. C'était méga cher sur plein d'autres sites et les plus jolies que j'avais trouvées c'était sur Shein. Donc d'ailleurs j'allais passer une commande avant qu'ils me proposent. Donc voilà, je suis trop contente de vous présenter ça aujourd'hui. Donc on commence par le attente versus réalité, on va découvrir les produits comme ça. Je vous mets à chaque fois les photos avec les prix. Et après on essaye pour vous donner mon avis. Donc là j'ai voulu tenter un jean. J'ai cru comprendre que sur Shein ils étaient bien, vous avez été nombreux d'ailleurs à me dire qu'ils étaient pas trop mal. Surtout dans cette vidéo, hein, même si c'est juste j'ai reçu des produits gratuitement, je ne suis pas payée pour vous dire quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de ce site là, si vous achetez régulièrement ou pas. Les vêtements que j'avais achetés la dernière fois par moi-même, je vous avais fait un haul et c'était mon mari qui avait choisi les vêtements. Honnêtement je les ai beaucoup mis, je les aime beaucoup. Donc c'est vrai que la qualité Shein est pas trop mal, il y a des trucs ça dépend hein. Mais surtout regardez bien les commentaires en dessous l'annonce, il y a beaucoup de gens qui mettent des photos, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne sur les personnes, leur morphologie. Il y a des gens aussi pour les rondes qui disent tiens c'est adapté pour les gros mollets, c'est adapté pour les filles larges, enfin c'est vraiment bien les commentaires en dessous. Donc ça je vous conseille et j'ai un code promo qui est Karine Miss Boop tout simplement si vous voulez craquer sur le site. Honnêtement là le jean, la qualité est plutôt bonne hein. Vraiment au niveau de la matière, ça fait pas effet jean, vous voyez, ça fait effet un peu jean mais élastique, vous savez cette matière qui va se fondre à votre peau et qui va sans problème épouser vos formes. En revanche ça a l'air méga petit au niveau de la taille parce que moi je suis méga grande, hein, je fais 1m78, non 1m76 plutôt, pourquoi je me rajoute des centimètres. Mais la qualité est bonne, hein. Vous voyez, il y a des boutons, moi j'aime bien quand c'est taille haute comme ça, donc j'avais choisi taille haute, j'aime bien quand il y a des boutons, il a l'air pas mal au niveau de la largeur, honnêtement, il a l'air bien, mais court, après avec des petites baskets, le fait que ce soit court, c'est pas grave, quoi. Ça peut être très bien pour la saison, là, le printemps, l'été, moi j'aime bien quand même avoir des pantalons longs, hein. C'est un truc que j'ai du mal à trouver, même en magasin, donc on va essayer, et je vous dis après ce que j'en pense. Au niveau du pantalon, honnêtement, il est un peu grand, j'aurais pu prendre une taille, encore une fois, une sous, mais bon, ça va, ça choque pas, la poche, là, elle a décidé de remonter toutes les 5 minutes, on peut mettre une ceinture, donc ça, c'est pas mal, il y a 4 boutons,
La matière est agréable, hein, ça épouse vraiment bien les formes. Et juste, il est court en bas. Hein. Je sais pas si vous allez le voir, hein, mais vous voyez, on voit les courts. Donc je pense que pour l'été, avec des petites baskets, ça pourrait être sympa en remonter un petit peu. Mais il est court, donc ne vous attendez pas à un pantalon qui tombe vraiment jusqu'au pied. Deuxième article est quelque chose de noir, je ne sais pas du tout. Ah, c'est un petit haut. Alors ça, c'est la tendance. Hein, je l'ai vu dans plein de vidéos de copines. C'est un petit haut avec des... les fameuses épaulettes là, c'est trop joli, d'ailleurs la qualité est bien. Alors ça, je me rappelle l'avoir pris très très large. Oui, j'ai pris un 4XL parce que je me rappelle avoir lu dans les commentaires que c'était quand même un peu serré et que si je voulais que ça se porte bien et tout, je me suis dit je vais prendre bien large. Mais la matière est bien, ici vous avez une matière un peu en coton et après au niveau des manches ça sent, c'est une matière un peu plus polyester je pense ou quelque chose comme ça. Et les manches se resserrent et c'est encore une fois la matière un peu coton. Enfin, je vous dis bien matière un peu. En tout cas, pas d'odeur particulière au niveau des vêtements. La qualité quand on touche comme ça, elle est très douce. Ça a l'air pas mal. J'espère que c'est pas trop court quoi. Mais heureusement que j'ai pris du 4XL. Il est tellement joli. C'est vrai, je comprends que les copines aient craqué sur ce petit haut. Il est trop bien. Honnêtement, il est très sympa. Il est même hyper grand au niveau des bras. J'aime beaucoup. Ça fait un style un peu sympa quand même. Je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est vrai que ça donne un petit style un peu... hein, faut le dire. Ça fait un style. Sauf que, comme je l'avais lu dans les commentaires sur le site Shein, il est court, là. Hein, il est court. C'est là, j'ai pris 4XL. Du coup, il tombe bien. Mais vous voyez, derrière, il va remonter, je pense... au niveau de la journée, ça va remonter tout le temps. C'est le seul point négatif. La matière est pas trop mal. C'est pas une matière hyper agréable, mais ça passe. Ça fait son job hein, pour une journée. Ça peut le faire. Et heureusement qu'ils ont rajouté du coup ces petits côtés-là avec une matière un peu plus agréable. Et ici, c'est une matière assez agréable. Sinon, ici, c'est un petit peu moins agréable, mais ça fait pas forcément beaucoup de bruit comme certaines où j'ai vu sur YouTube hein, les copines. Je sais qu'il y en a certaines où ça fait beaucoup de bruit. Là, ça va. Celui-ci est dans un zip aussi, encore une fois, ils sont tous vraiment emmitouflés un par un dans un zip. Et ah oui, celui-ci il me dit quelque chose, c'était une jolie robe d'ailleurs qui coûtait cher quand même. Elle n'était pas donnée cette robe, mais elle était vraiment belle et elle me donnait envie. Une petite robe noire un peu sympa, c'est la marque Miss Ord. C'est 3XL et elle est un peu, vous savez, avec cet effet un peu, pas dentelle, mais en transparence là, un peu sexy. Mais ouais, elle a l'air trop trop jolie. Elle a l'air trop 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 belle avec le col comme ça, un peu fermé là. Vous savez, qui monte bien haut. La matière est ultra douce. J'espère juste qu'elle arrive au niveau du genou, qu'elle n'est pas trop courte. Mais elle est, au niveau de la qualité, elle est belle. Elle est belle. Cette robe est juste une merveille. Là, je l'ai mis avec la ceinture, même si cette ceinture me sert et que ça va pas du tout. Il faudra que j'en achète une autre dans ce style qui pourra apporter une petite touche, vous avez vu, un peu bijou, puisque là, il y a de la dorure. Mais sinon, cette robe est tellement belle. Elle vaut tellement son prix. Je me souviens qu'elle n'était pas donnée hein, au niveau du prix. Mais la qualité est juste dingue. J'adore le cou comme ça. Les bras, ça rentre d'ailleurs au niveau de mes bras. J'avais peur que ça soit un peu serré, etc. Parce que moi j'ai des gros bras. Ici ça me sert un peu plus que là. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ça reste tout à fait gérable. Hein. Regardez cet effet, elle est tellement jolie. Donc si j'enlève ça, je vous montre. Mais elle est même sans rien, elle est très jolie. Hein. C'est juste que ça apporte un petit côté bijou. Elle est un petit peu courte. Elle arrive mi-cuisse. Hein. Mi-cuisse, si vous levez... ouais, clairement, si je me baisse comme ça, on voit mes fesses. Hein. Je préfère vous le dire, elle est courte. C'est vraiment le seul bémol. Derrière, elle est courte. Mais devant, ça va. Mais derrière, elle est courte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai des grosses fesses, je pense. Parce que je suis assez large, donc ça doit remonter derrière. En tout cas, elle est tellement belle. Je vous montre un peu de plus près comme ça, mais tellement jolie. J'espère que vous verrez bien. Les bras, ça tombe pile poil. J'adore. Je suis juste trop, trop fan de cette robe. Je pense que ça va être mon coup de cœur du truc, quoi, parce que, waouh, elle est magnifique. Ça donne envie de danser, tout ça. D'ailleurs, pour information, vraiment, je suis pas déçue de la qualité, parce que même cette robe-là, qui coûte 10-15 euros, mais que vous pouvez avoir avec des codes promo, etc., donc elle va vous revenir à peut-être 11 euros, je la trouve très qualitative au niveau de la matière. Je trouve qu'on est hyper bien dedans, elle est parfaite, quoi, surtout pour les mi-saisons. Encore une autre robe et celle-ci vous l'avez choisie sur mon Instagram. Je vous avais mis plusieurs styles de robes à me conseiller et vous l'avez choisie, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une longue robe un peu bordeaux.
Ah mais elle a l'air quand même bien aussi pour la mi-saison. J'avais peur que ce soit trop fin, trop... Vous les pelez, moi je suis hyper frileuse. J'avais vraiment peur que ce soit trop fin. Et en fait non, on sent qu'il y a de la qualité. Il y a même une doublure là. Au niveau du bas, il y a l'air d'avoir une doublure, je sais pas. Mais en tout cas c'est hyper qualitatif. Donc elle est comme ceci. J'espère qu'elle est pas trop grande, elle se resserre au niveau de la taille. Elle a l'air trop belle, elle a l'air trop belle. Alors est-ce que cette couleur là va bien m'aller au teint? En tout cas c'est joli. Honnêtement, là, je pense que je vais me faire plaisir. J'ai demandé sur Instagram des conseils pour avoir des collants grande taille, pas trop mal et pas trop cher. Et vous avez été nombreuses à me conseiller alors ceux d'Action. Et vous m'avez donné des sites un peu spécifiques. Mais si vous en avez... En plus, je suis allée à Action ce matin et j'ai pas regardé les collants. J'ai complètement zappé. Mais faut que je pense à regarder la prochaine fois. Mais si vous avez des sites faciles à me conseiller où on peut trouver des collants de bonne qualité et grande taille, parce que moi je suis très grande et quand même assez large, je suis preneuse. Celle-ci, je sais pas quoi en penser vraiment. Là, je la trouve un peu grande, non? Ça m'a l'air un peu grand. J'ai pas beaucoup de poitrine, du coup ça a l'air trop grand. Si je mets... Alors c'est dommage que j'aurais pu mettre cette ceinture-là avec, mais du coup ça va pas cette ceinture. Donc on va essayer celle-ci. Est-ce que ça passe avec cette ceinture? Ouais, c'est un peu grand quand même encore une fois ici hein. Mais bon, elle est très jolie, les bras sont bien, la matière est pas hyper agréable je trouve hein. C'est pas la matière, les autres matières jusque là étaient très sympas. Mais là la matière est un peu moins agréable au niveau du cou, ça fait ça. Ça fait cet petit effet là, espèce de goutte comme ça, c'est sympa, ça donne un peu un petit effet à votre robe. Après elle est assez longue, elle arrive en dessous du genou, donc elle est super longue. Je sais pas si vous verrez en dessous du genou. Bon après j'aurais préféré une ceinture un peu plus... Ça c'est une ceinture que du coup j'ai rajoutée, hein, mais une ceinture avec du doré ou en tout cas un petit truc en plus quoi, une ceinture un peu plus extravagante. Ah, faut que je trouve. Si vous avez des références, hein, surtout dites-moi. Mais comme ça, j'aime moins quoi. Hein, je suis pas méga fan. J'ai pris une petite ceinture et ça, on va l'essayer tout de suite avec ma robe parce que elle me faisait trop envie en mode nœud papillon. Évidemment, j'ai pris dans le rayon entre guillemets grande taille et j'ai lu les commentaires pour être sûre que ça passe pour ma largeur. Elle se présente comme ceci. Honnêtement, le nœud est méga bien fait. La qualité est top de la ceinture. Là, c'est élastique à ce niveau-là. Et vous avez des boutons. Alors, en revanche, il n'y a pas plusieurs tailles de boutons. Il n'y a vraiment qu'une taille de boutons. Donc, hop, espérons que ça passe. Oui, ça passe. Nickel. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais alors là, avec la robe, je trouve que ça va trop bien. Elle est parfaite. Vous l'avez compris, je valide totalement la ceinture, elle est parfaite. Là, j'aurais pu mettre un collier, ça aurait été peut-être plus joli, mais pas grave. Hein. J'ai pris un pyjama, j'avais absolument envie de me prendre un pyjama, il y a tellement de beaux pyjamas sur le site Shein. Et du coup, là, j'en ai pris un peu style satin, vous voyez, un peu matière toute douce, comme dans les films, hein, à l'américaine, je trouve. Donc ça m'a fait, ça m'a donné envie, donc... J'ai choisi celui-ci, vous avez le haut et le bas, j'ai pris 4 XL parce que je me suis dit autant être large hein, parce que moi j'ai toujours un problème, j'ai toujours peur que le pyjama soit trop serré, on est tout boudiné. Et du coup j'ai pris 4 XL, je me suis dit que ça a l'air plutôt grand. Ah, j'avais pas fait attention que c'était des manches courtes, mais bon c'est pas grave, ça va être très bien pour la saison. C'est une matière hyper douce, ça sent pas mauvais honnêtement, il n'y a pas de fil qui dépasse. Ouais, je suis étonnée et la taille m'a l'air pas mal. M'a l'air pas mal. On va regarder le pantalon parce qu'il y a le pantalon avec. Donc c'est élastique au niveau de la taille, encore une fois. Oh, ça m'a l'air bien large. Oh oui, même trop large d'ailleurs, je pense. Oula. Bon, au pire, je ferai un petit point pour resserrer. Je préfère que ce soit trop large que pas assez parce que bon. Et en bas, là, ça a l'air plutôt long quand même. Hein. Et en bas, vous avez le petit liseré blanc, là, comme ça. C'est trop craquant. J'espère que ça va plaire à... Bah, moi, en tout cas, ça me plaît comme ça. J'espère que ça va plaire à Chéri parce que bon, il aimerait bien que je dorme nu, ce qui n'est pas mon cas. On se retrouve en pyjama et ça fait tellement photo Instagram, vous êtes d'accord avec moi? Ça fait les filles là sur leur lit, sur Instagram, qui ont des super pyjamas. Pareil, j'ai vu grand, mais ça je vous l'ai dit, je préférais que ce soit plus grand que plus petit. Ça taille bien parce que si j'avais pris 3 XL, je pense que ça aurait été nickel. Même au niveau du pantalon, un 3 XL, ça serait passé. Pourtant moi j'ai des hanches larges, hein, je suis large. Mais il est juste fabuleux ce pyjama. Je suis, alors il est court en bas, hein. Moi je suis grande comme je le dis, il est court, mais bon pour un pyjama on s'en fiche, hein. Mais il est vraiment beau, il est vraiment beau. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais j'avoue que j'aime bien. En revanche j'aurais pu prendre un petit peu plus cintré quand même, encore une fois. Une petite robe verte je pense, c'est ça, je vous l'avais choisi sur mon Insta. Évidemment vous n'avez pas tout choisi parce que je vous avais fait choisir entre,
entre quelques pièces, mais j'avais pas l'intention d'en choisir plus en fait. Donc celles que vous avez choisies, je les ai prises. D'ailleurs cette ceinture, c'est vous qui l'aviez choisie hein, aussi. Donc là, une petite robe kaki très légère. Vous savez, c'est la robe qu'il va falloir repasser hein, parce que ça va faire plein de plis. Donc c'est une 3XL celle-ci. Et oulala, c'est plus une tunique hein. En robe ça me paraît court. À voir. En robe ça me paraît court. Moi bon, peut-être que si. En tout cas, bah, bon, je la trouve comme ça, je la trouve bof. La matière est sympa, c'est tout doux, hein, un peu satin encore une fois. Mais je sais pas, sur le site je la voyais plus jolie. Après, bon, sur moi ça sera peut-être sympa. Hein. C'est peut-être un peu grand ça, non? Je crois que j'ai pris encore une fois trop grand, mais bon. Même très 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 grand. Ah, vous avez vu les manches, elles sont bouffantes. Elle ou la ceinture. La ceinture est là. Qu'est-ce que ça donne avec la ceinture? La matière est très très fluide. Hein. Très très fluide. Du coup, le cou c'est un peu grand. Après, on met peut-être rien en dessous, je sais pas. Mais le cou est assez large. Bon, avec un beau collier, ça peut être très joli. Hein. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est très beau. Ça arrive un petit peu au-dessus du genou, donc au niveau de la taille, ça va. C'est trop bizarre, les manches là, elles glissent dans tous les sens. Je sais pas si vous verrez, ça glisse vraiment dans tous les sens quoi. C'est un chouïa grand je pense au niveau du haut, ça va tomber un peu tout le temps, mais bon ça chope pas pour une robe hein, de toute façon. La matière est très très fine, donc honnêtement faut pas mettre ça quand il fait 5 degrés sinon vous allez vous les peler, hein, sauf si vous mettez des vestes et tout. Mais c'est assez classe, donc ça c'est vous qui l'aviez choisi, honnêtement j'aime bien. J'aime bien, après voir comment j'attache la ceinture là, comment je mets ça, mais j'aime bien. J'ai hâte d'avoir vos retours encore une fois, savoir ce que vous en pensez. C'est assez classe quand même, ça a une texture un peu classe, mais c'est particulier quoi. C'est même d'ailleurs un peu vraiment, vraiment trop grand. D'ailleurs c'est étonnant parce que c'est assez rare que ce soit trop grand que ce soit au niveau des bras, ça m'arriverait jamais. Alors on a un pantacourt blanc si je me souviens, je sais que j'ai pris deux pantalons, je crois que j'ai pris un jean et un pantacourt. Donc un pantacourt blanc, est-ce que c'est ça? J'espère que les pantalons vont m'aller parce que je commence à être en galère en plus de pantalons. Et avec le confinement et tout ce qui est fermé, c'est galère je trouve de trouver des vêtements. Parce que moi j'aime pas forcément tout le temps acheter sur internet. J'aime bien aussi aller voir un peu si ça me va. Enfin bon, c'est compliqué. Donc là, écoutez, au niveau de la taille en haut, il a l'air pas mal. La qualité c'est comme tout à l'heure, c'est effet jean, mais entre guillemets on sent que c'est pas un jean jean. C'est stretch quoi, ça va épouser les formes. Et oui c'est bien un pantacourt, c'est très court même. Donc ça, j'ai cru comprendre qu'en dessous justement une petite tunique ça pouvait être très joli, ou en dessous une robe qui est un petit peu courte ça pouvait être très joli. Donc à tester, hein. Je ne sais pas du tout si je vais aimer, si ça va bien m'aller, je vais voir. D'ailleurs si vous avez des looks à me conseiller ou vous voulez que je fasse une vidéo où je reproduis des looks de youtubeuses ou voilà, bah, n'hésitez pas à me dire hein, pourquoi pas lancer cette idée, ça peut être sympa. Surtout quand on est grande taille et qu'on a du mal à se trouver des fringues, je trouve que bah, s'inspirer de certains looks ça peut aider à s'habiller. Le pantalon blanc, encore une fois j'aurais pu prendre une taille en dessous parce que c'est vraiment élastique hein. C'est vraiment la matière, vous voyez, très élastique. En revanche on voit à travers, j'ai bien l'impression qu'on voit à travers. Là on voit mon débardeur qui est en dessous, donc ça c'est bon pour l'été. Si vous mettez une culotte blanche ou une culotte chair et tout, ça peut passer. Mais c'est vrai que sinon, ça a l'air vraiment méga transparent. En tout cas, sur la caméra, j'ai l'impression. Sinon, il est bien pantacourt. Bon, je vous montre pas, mais ça arrive mis un peu en bas du mollet, hein, tout simplement. La matière est super agréable, donc très bon choix. Juste un peu grand, mais avec un lavage, ça va peut-être passer. Là, je l'ai mis avec le haut que vous verrez, je pense, au fur et à mesure de la vidéo. Mais ça passe, ça passe. C'est pas mal, avec une robe, j'ai hâte de voir aussi ce que ça donnera. Je pense que je vais vous demander bah, du coup des conseils encore pour avoir d'autres robes qui pourront aller avec ce genre de pantalon. On a une autre petite ceinture qui est vraiment, je la voyais pas si petite. Voilà, ça me fait peur, est-ce qu'elle va m'aller celle-ci? Donc elle est comme ceci et c'est à vous de l'accrocher devant. Ah comment ça s'accroche? Ah oui, il y a des petits crochets, ok, et puis voilà. Est-ce qu'elle va m'aller? On va voir, on va voir. Non, ça me va pas. Oh. On va, il faut que je maigrisse un peu quoi, si je veux la mettre. Ouh, ça me va, mais c'est serré. Regardez. Bon, ça, je vais pas. J'arrive à peine à respirer à l'intérieur. C'est dommage, je suis triste. Elle était trop jolie, mais là, non. Même si je maigris un peu, ça me paraît ric-rac. C'est dommage, elle est trop belle. Et je pense que dans mes souvenirs, j'avais vu que c'était pour les grandes tailles, mais peut-être que je me suis trompée. À vérifier. Bon, à moi de me trouver d'autres ceintures. J'aimerais bien d'ailleurs en avoir une un petit peu. Bah, avec un petit peu de doré comme ceci, je trouvais ça sympa. Ou une un petit peu dans les tons camel. Donc bah, je refouinerai sur Shein. Ou sur d'autres sites d'ailleurs. Hein. Alors j'ai pris aussi un.
une veste longue, un peu trench. J'avais essayé ça chez une copine et je me suis dit que c'était vraiment sympa. Donc bah là, il y avait l'occasion. C'était sur le site, il y en avait des pas mal. Il y avait des bonnes remarques avec cette petite veste et il y avait écrit que c'était pas hyper chaud en revanche. Donc il ne fallait pas s'attendre à une veste qui allait vous porter bien chaud pendant la saison. Et c'est vrai. Ah ok, je confirme, elle est très jolie. Mais alors, c'est vraiment léger. Je pense que pour la mi-saison, c'est bien. Mais mettez pas ça quand il fait 5 degrés quoi, vous allez vous les peler. Elle est pas aussi longue que je le pensais, vous voyez, je pensais qu'elle allait être très longue, quasi mi-mollet, mais non. Non, non, ça arrive aux genoux je pense. Donc elle est pas mal au niveau de la qualité, mais ça reste quand même une qualité assez bas de gamme, dans le sens c'est pas épais quoi, vous allez... Je vais pas dire que c'est transparent, mais vous voyez ce que je veux dire un petit peu, c'est vraiment très fin quoi. Très fin, en revanche il y a des beaux boutons. Est-ce qu'il y a une ceinture? Non, il n'y a pas de ceinture vu que c'est une veste qui se porte un peu ouverte comme ça. Et j'ai pris taille 3XL, donc on va tester. On se retrouve avec la petite veste et je l'ai pris un peu grande. Je pense qu'encore une fois, un 2XL ou un 1XL ça aurait pu aller. Parce que bon après, voilà, ça choque pas, hein. C'est des vestes qui se portent ouvertes, donc ça choque pas, ça se porte large. Si je veux la fermer, j'ai pas de problème hein, évidemment, mais bon, fermer c'est ridicule. Ça, c'est moche même, hein, fermé. Mais voilà, ouvert comme ça, tac, les mains dans les poches, je trouve que ça claque avec un petit sac à main, ça va être très très sympa. Vraiment là, j'ai un look total automne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais juste, oui, prenez encore une fois un peu plus cintré, parce que là, vraiment, vous voyez, je peux vraiment là, c'est un peu grand, un peu grand. J'aurais dû voir plus petit, j'ai vraiment du mal avec ma taille encore une fois. En plus, je suis en pleine perte de poids, je vous en ai déjà parlé, je suis suivie par une diététicienne. Du coup, bah, je pense que alors, je vois un peu plus bas au niveau des tailles, peut-être 2XL, 1XL. Je vois encore trop large, mais c'est pas grave, en tout cas elle est bien, et puis ça se porte ouvert, hein. Ça, ce genre de veste ça se porte ouvert, donc j'aime trop le style, j'aime trop. Mais ça ne s'arrête jamais ce colis, c'est le colis du bonheur. Et là, un truc noir, donc je ne sais pas. Ah oui, ça, ça fait partie des robes je crois, donc plutôt automnale que vous aviez choisi pour moi. Il y a une ceinture en version un peu, vous savez cette matière un peu laine. C'est un peu une matière laine, une robe un peu style laine, qui est donc un peu en forme de pull en haut. Vous avez la ceinture pour resserrer et qui est assez longue. Elle n'est pas forcément hyper large en bas, mais elle est un tout petit peu évasée vers le bas. Ça, j'ai hâte de tester parce que sur le modèle, ça avait l'air trop trop beau. Et la matière est agréable. Ça, c'est bien pour l'automne. La mi-saison comme ça, avec un petit collant noir opaque assez chaud. C'est très joli. Avec la ceinture, ça va être très bien. Ça, j'ai hâte de tester. Cette petite robe noire est vraiment trop 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 jolie là. Elle est parfaite au niveau de la taille. Vous avez vu, au niveau des bras, ça tombe pile poil. Ici, ça sert bien, mais ici, c'est un tout petit peu évasé, mais sans être trop évasé. J'ai rajouté la ceinture, je sais même pas si vous la verrez. Et ma foi, elle est pas mal du tout. Elle arrive au niveau des genoux. Au niveau des genoux, donc c'est pas mal du tout. J'aime bien, j'aime bien. C'est vraiment la petite robe basique noire pour la mi-saison qui peut être vraiment très sympa, surtout pour l'automne. Je trouve que ça fait assez automnal. Ça aussi, je pense que c'est vous qui l'aviez choisi, le gilet. Il y avait des gilets qui me plaisaient sur Shein. D'ailleurs, vous avez vraiment beaucoup de gilets sur ce site. Et celui-ci, waouh, il est vraiment, c'est un gilet de mi-saison aussi, hein. Mais il me plaisait bien. Alors, vous attendez pas un gilet hyper chaud, hein, parce que... Est-ce que vous me voyez à travers? Oui, hein. Vous me voyez à travers. Il n'est pas très chaud. Quelle taille j'avais pris? C'est un 3XL. Heureusement que j'ai pris 3XL. Hein. Prenez large. Hein. Alors, il n'est pas très long. C'est le seul hic. Il est court, quoi. Vous voyez, il est vraiment court. Je pense que ça se porte un peu loose. Mais il est doux. Il est très doux. Et ouais, ça peut être très bien pour la mi-saison. Ou même le petit gilet d'été que vous rajoutez comme ça en dernière minute. Quand il fait un peu frais le soir. Ça peut être très sympa. La qualité est top. Petit gilet là. Bah écoutez. Je pense par-dessus un petit, bon, encore une fois ça va pas avec ce que j'ai en dessous, je suis désolée, hein, je vais pas changer 50 tenues. Mais si vous voulez voir des looks, vraiment, vous me le dites en commentaire et je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus look. Mais en tout cas, il est très sympa, j'aime bien parce que vous voyez, ça va jusqu'au bout de mes bras. Et ça j'adore pour un gilet, c'est juste top. Il est pas si court que ça, hein, il est pas mal du tout. Ouais, avec un truc un peu sympa en dessous, ça peut être vraiment cool. Faut que je regarde un peu sur la photo ce qu'ils avaient mis, mais... j'aime bien, vous voyez, il est un peu transparent, donc évidemment à vous de faire attention à ce que vous mettez en dessous. Il nous reste deux vestes en jean, parce que oui j'en ai pris deux, je voulais absolument enfin en avoir une. D'ailleurs ma fille en a une et on s'était dit qu'on allait avoir la même petite veste en jean. Donc j'en ai pris deux parce qu'honnêtement je ne savais pas
laquelle choisir. La première est un peu courte. C'est une veste en jean un petit peu courte, vous voyez là ici à ce niveau-là, qui a l'air assez large hein, du coup. Je sais pas si elle va me plaire celle-là. En tout cas, matière jean, elle est large, 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 c'est quelle taille hein. Une 3XL, les boutons. Ah, c'est des vrais boutons de veste en jean, quoi. Vous voyez les petits boutons là, comme ça, qui s'enlèvent vraiment. Je m'attendais à des pressions, je sais pas pourquoi. Donc c'est une vraie matière comme ça qui s'enlève. Bon, après, la matière est top. Peut-être avec un... En dessous, à voir avec quoi je mets ça. Vous voyez, je sais pas. Là, il faut vraiment que je me trouve des looks en tête parce que... À voir avec quoi je mets ça, mais elle a un petit côté un peu destroy, donc ça peut être très joli. Je pense qu'avec une tenue vraiment adaptée, ça peut être très cool. À voir hein, si je vais oser. Et la deuxième, je pense qu'elle est plus longue. La dernière, elle est là. Et elles étaient pas trop trop chères, les vestes en jean. Et celle-ci, je pense qu'elle était beaucoup plus longue. Ouais, je pense que celle-ci, elle a une taille, entre guillemets, normale. Donc c'est toujours une 3XL. Hein. Je suis restée sur une 3XL. Et ouais, elle est pas mal. Donc elle est beaucoup plus destroy au niveau du haut. Elle est en revanche en entier. Hein. Elle est pas coupée en bas. Vous avez jusqu'en bas avec des vrais boutons. La qualité est pas mal du tout. Hein. Pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai pas du tout... Je pense que je n'ai jamais mis des vestes en jean de ma vie. Donc j'ai hâte de tester ce que vous avez choisi. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas tout qui a été choisi par Instagram, par mes abonnés d'Instagram. Mais il y a des belles pièces quand même. J'ai toujours rêvé de faire cet effet-là, genre... Je marche dans la rue, la veste. Oh. Non mais bon... Est-ce que vous êtes comme moi des fois avoir des délires bizarres? Bon, j'aurais peut-être dû prendre une taille en dessous. Bon, après, honnêtement, si je veux la fermer, ça marche. Mais bon, ça se porte pas forcément pour la fermer. Ça va pas, évidemment, avec la robe que j'ai en dessous. Mais, en tout cas, elle me va. Et, ouais, une taille en dessous, ça aurait pu... Je vous conseille une taille en dessous, si vous voulez, qu'elle soit un peu plus cintrée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je recommanderais une un petit peu plus cintrée, histoire qu'elle soit un peu plus... voilà, un peu mieux portée. Mais en tout cas, j'aime bien le style. Bon, évidemment, pas avec cette robe, hein. Celle-ci, finalement, qui est plus courte, et bah écoutez, je la trouve sympa aussi. Là, avec une robe, pas celle-ci, mais avec une autre robe, ça peut être vraiment cool. Même avec celle-ci, mais sans ça, par exemple. Si j'enlève ça, hop, ça peut être pas mal du tout. Faire un petit côté un peu plus rock'n'roll, un collier un petit peu pendant. Ouais, j'aime bien, pareil, j'aurais pu prendre une taille en dessous. Mais je sais que c'est dans la tendance de porter un peu loose. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais finalement, je pensais pas l'aimer. Et bah, elle est plus courte, elle est plus sympa. En fait, elle est pas mal du tout. Petit bilan du coup de tous ces vêtements. Honnêtement, j'ai été conquise par tout, 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 tout. Il y a peut-être la robe bordeaux qui m'a un petit peu moins conquise. La robe noire, j'adore, je la trouve tellement belle. Tellement, j'ai hâte de vous montrer des looks sur Insta vraiment. Et si vous voulez une vidéo un petit peu plus all sheen et look, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire. Parce que c'est vraiment, là sur ce coup, je crois que j'ai été encore plus conquise que la première fois. La première fois dans mon dernier haul, eh ben, j'avais eu des belles pièces quand même que j'aimais beaucoup. Mais là, et les pantalons, je crois que je suis choquée par les pantalons qui sont vraiment pas très chers. Et plutôt bien, et en plus bien taillés quoi. Je me suis pas trop plantée au niveau des tailles. C'est un peu grand à chaque fois, mais bon c'est parce que je suis en train de maigrir et je pense que c'est lié à ça. Mais sinon, mis à part ça, et puis même si c'est un peu grand, un petit coup de sèche-linge et tout, ça pourra peut-être passer, je sais pas, on verra. Mais, waouh, je suis étonnée, parce qu'il y a des belles pièces à pas trop trop cher. Et là, il y a de quoi faire quand même beaucoup de looks, de super beaux looks. Donc j'ai hâte d'avoir vos conseils surtout, si vous avez des choses à me conseiller, des petites tuniques un peu fleuries à me conseiller pour aller avec le pantalon blanc, ça va être top. N'hésitez pas, je vous attends en commentaire, si vous avez envie de craquer vous aussi, s'il y a des choses qui vous ont plu, bah je vous laisse mon code promo. Et puis n'hésitez pas à me le dire aussi, à me dire ce qui vous a beaucoup plu. Là, pour l'instant, je sais que je vais, je pense, tout mettre. Donc vous allez sûrement voir ça prochainement sur des photos, en vidéo, dans mes petits vlogs, sur Insta, je ne sais pas. Mais vraiment, waouh, je suis assez choquée. Il n'y a pas vraiment de déception, mis à part la robe un peu bordeaux. Et encore, je pense que si je trouve la bonne ceinture... Ça peut peut-être passer. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire en commentaire et je vous fais des gros, gros bisous. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais on n'hésite pas à liker cette vidéo, à s'abonner si ça vous a plu, si vous avez envie d'en voir d'autres, si vous avez envie de voir... Voilà. Rappelez-vous que quand vous mettez un petit pouce en l'air, bah, ça permet de soutenir ma chaîne et de la faire un petit peu évoluer. Donc je vous embrasse fort. Merci à tous ceux qui le feront et je vous dis à très vite.